Mais quelle rebelle! Je pense qu'elles ont ce nom parce qu'en fait on dirait des pancakes empilés les uns sur les autres. On est revenu en Bretagne, mais aujourd'hui il fait beau. Ah. Il n'y a pas pris les bonnes chaussures. On est tout petit là-dedans. Je me sens tout petit là-dedans. Des moules. Jean-Paul. Hello friend. Oh, oh non, il me déteste. Il est parti en courant. Un lac à la base. C'est un champ normalement là, non?
toute la nuit d'hier et puis ce matin, il y a un cyclone qui est passé en fait sur la Nouvelle-Zélande. C'est inondé de partout sur les routes, il y a des arbres partout. En tout cas là, il s'est arrêté de pleuvoir, il n'y a plus beaucoup de vent. Du coup, on s'est dit que c'était une bonne idée d'aller faire une petite balade. Sur une échelle de 1 à 5, tu penses qu'on est con à combien d'aller faire une balade après un cyclone? 2. Un peu con, mais pas tant. Bon, en fait, il s'est remis à pleuvoir. On est à moitié chemin de notre parcours. La question, c'est est-ce qu'on continue ou on fait demi-tour? Je sais pas. Et en plus, on s'est arrêté pile au bon endroit. Dans un endroit, il y a écrit ne pas s'arrêter, effondrement. Ne pas s'arrêter, zone de pierre qui tombe. C'est une cascade. Regardez comme c'est beau. Les feuilles, elles sont toutes dorées. C'est magnifique. Le soleil est revenu. Le soleil est revenu. Il fait beau de nouveau. Paul a dit qu'il mettrait la misère aujourd'hui. Il reste une boule chacun. On est reparti. On doit monter dans le nord jusqu'à Takaka. Le problème, c'est que le temps est dégueulasse. Les 30 degrés sont partis. Maintenant, il fait 15. Et voilà, c'est parti pour 4 heures de route minimum. Parce que là, avec toutes les routes barrées, la pluie et les travaux sur la route... On n'en a pas des routes barrées pour l'instant. On verra. On verra.